Quatre bougies sur la couronne, c'est l'avant. La première bougie allumée brille bien fort. Bientôt nous fêterons Noël. Bonjour à tous. Commençons ce temps avec un chant de louange. Nous vous invitons à chanter et à danser chez vous, les parents et les enfants. Je te loue avec ma voix. Salut mes petits amis, salut les parents. Donc voilà, nous avons décidé avec l'équipe de l'éveil de vous préparer une petite vidéo pour vous dire que vous nous manquez, que nous pensons à vous. Malheureusement, avec la crise sanitaire, nous ne pouvons pas encore une fois faire notre atelier pour l'Avent. Donc nous avons décidé de faire une petite vidéo pour vous. Donc nous allons parler de l'Avent. C'est quoi l'Avent? Le terme Avent peut se traduire de plusieurs façons. Mais ici, nous allons parler de l'attente. On parle de l'attente d'une visite. Imaginez que vous attendez la visite des cousins, par exemple. Comment on est quand on attend la visite de quelqu'un? On est impatient, on est joyeux. Et qu'est-ce qu'on fait quand on attend la visite de quelqu'un? Donc on prépare la maison, on range la maison, on range les chambres, on prépare à manger pour les visiteurs. Et quand enfin les visiteurs arrivent, comment vous vous sentez? On se de joie, car ils sont enfin là. Pendant le temps de l'Avent, on se prépare à accueillir Jésus, à Noël. On prépare nos cœurs à recevoir le plus beau des cadeaux. Cette année, préparons le temps de l'Avent avec Marie. Il y a bien des années, Marie, la maman de Jésus, a reçu la visite de l'ange Gabriel, qui était venu lui annoncer qu'elle allait bientôt avoir un bébé, qu'elle appellera Jésus. Comment pensez-vous qu'elle était après cette annonce, Marie? Elle aussi, elle a sauté de joie, car elle a su qu'elle va être la maman de Jésus. Savez-vous ce qu'elle a fait quand elle a appris la nouvelle? Je vais vous le raconter.
Je fais silence au-dedans de moi. Je m'arrête pour écouter ta voix. Ta parole est comme un grand cadeau qui me fait grandir plus haut. Alléluia, alléluia, alléluia. Allez, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Allez, alléluia. Le Seigneur envoya un ange chez Marie. L'ange lui dit : Je te salue, Marie. Le Seigneur est avec toi. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son sixième mois. Dès qu'elle apprit cette nouvelle, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua sa cousine Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre toutes les femmes, et ton enfant est béni. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors : Oui, vraiment, le Seigneur est grand. Je le chante. Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois. Puis, elle s'en retourna chez elle. Alléluia, alléluia, alléluia. Allé, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Allé, alléluia. Marie était heureuse. Elle était heureuse de bientôt devenir maman, mais aussi parce que sa cousine Élisabeth aussi allait bientôt être maman. Dès qu'elle a appris la nouvelle, elle s'est mise en route rapidement pour rendre visite à sa cousine. Cette année, avec la crise sanitaire, nous ne pouvons pas rendre visite aux cousins et aux amis. Mais nous vous invitons à utiliser les outils que nous avons la chance d'avoir pour que malgré la distance, nous soyons proches d'eux. Avec WhatsApp, Messenger, des appels téléphoniques. Dans votre famille, vous pouvez aussi prier pour toutes ces personnes qui sont loin en ces temps difficiles. Nous vous demandons aussi de prier pour tout le peuple mauricien et surtout pour ceux qui sont malades en ce moment. Les parents, je vous invite à vivre ce moment de l'Avent avec vos enfants. Racontez-leur à nouveau cette histoire. Chaque dimanche, allumez les bougies de l'Avent et faites participer vos enfants à la prière. Toute l'équipe de l'éveil se joint à moi pour vous souhaiter à tous un très bon temps de l'Avent. À bientôt. 4 bougies sur la couronne, c'est l'Avent. La première bougie allumée brille bien fort. Bientôt nous fêterons Noël, c'est la plus belle fête. Jésus est venu jusqu'à nous, c'est son anniversaire.